ma meilleure amie que j'ai depuis le lycée, vous l'avez vu dans de nombreux vlogs. Donc voilà, on part souvent ensemble en voyage, mais là c'est la première fois qu'on fait un long trajet et qu'on part hors de l'Europe. Donc on va profiter de ce voyage et on va faire plein de shopping, ça va être trop cool. Donc première journée, Marion, raconte ce qu'on fait. Qu'est-ce qu'on fait? Du coup on est parti de l'hôtel, on a pris un petit déj. Après, on a marché jusqu'au Flatir Building. Et là oui, il est 11h, en fait on a pris nos gros manteaux énormes, sauf qu'il fait pas très très froid. Donc on a chaud, mais bon, au moins on est confortable. Ah, le mien vient de chez Naked et le sien vient de chez Gérard Darrel. Trop joli. Trop beau, et on est habillé exactement pareil. Jean blanc. T'es clone. Donc aujourd'hui, deuxième journée à New York. Hier, on a beaucoup, beaucoup marché. On a fait 27 000 pas. C'était énorme. Jamais autant marché de ma vie. J'étais épuisée. Mais du coup, il fait trop beau. Donc c'est super bien. Il fait super chaud. Trop agréable. Aujourd'hui, donc journée très cool. On a commencé par un petit déjeuner au pain quotidien. C'était très agréable et vraiment très bon parce que j'avais besoin de mes tartines avec du beurre. J'en avais trop besoin. J'aime trop ça. Je pense qu'il n'y a rien de mieux que les tartines au petit déjeuner. Bref, trop bon. Et ensuite on est allé à pied jusqu'au Met, donc un peu au milieu de Central Park, pour faire un petit meet-up avec des abonnés qui habitent ici. Donc ça m'a vraiment fait trop trop plaisir de vous rencontrer. Si vous voyez ce vlog, merci beaucoup d'être venu. Et ça, c'est vraiment génial, je trouve, de parler face à face et puis pas en DM quoi, parce que c'est un peu dommage qu'il y a un lien à chaque fois avec les réseaux sociaux. Mais au moins on se connaît bien maintenant, donc trop cool, merci à vous. Et là on est au Guggenheim. Et on s'apprête à aller visiter le Guggenheim. Ensuite, je pense qu'on va prendre une petite salade chez Whole Foods. Et on va déjeuner dans Central Park. Bon programme. Chinatown, Little Italy, tout ça. On s'est pris des petits fruits parce qu'on avait un petit creux. Et ensuite, on a bien marché. En fait, on a marché du World Trade Center jusque à peu près là à l'Empire State. Donc vraiment, on a bien bien marché aujourd'hui aussi. Yeah.
rapprocher du bord. Du coup, elle est là en plein milieu. Elle a envie de s'accroupir, la pauvre. Ça va. Mais toi, là, si tu te mets sur le... sur le truc en béton, ça va, sur la pierre. Ma puce. Je vous conseille de venir soit au coucher de soleil. Donc regardez bien à quelle heure se couche le soleil. Comme ça, vous pouvez venir avec peut-être au coucher de soleil, ce sera encore plus beau. Mais là, on y est, il est midi à peu près. C'est vraiment déjà super beau. Oh là là. J'aime trop venir ici pour boire un verre parce que la vue est magnifique. Donc on est au Mandarin Oriental et il y a une vue incroyable sur Central Park. Regardez ça. Vous pouvez venir boire un café, vous n'êtes pas du tout obligé de faire partie de l'hôtel. Nous on s'installe pour boire un petit thé, tout ça, pour se reposer. Il y a plein de monde. D'aller à la High Line, donc c'est un peu comme la coulée verte de Paris. Donc on va aller là-bas voir la vue de New York depuis là-bas. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va descendre, on va un peu visiter Meatpacking et ensuite on va aller à Chinatown pour manger des pancakes fluffy. J'en avais mangé à Tokyo et c'était si bon et j'en ai jamais retrouvé nulle part. Donc on a cherché, on a fait nos recherches, on en a trouvé un dans Chinatown. Donc on ira là pour prendre un petit brunch. Voilà, très bon plan, mais pour l'instant, on se prend. Et si vous passez dans le quartier de Meatpacking, juste après la High Line, je vous conseille vraiment de venir dans cette boutique de déco qui s'appelle RH. C'est juste magnifique. Le style est vraiment top, dans des tons neutres, blanc, beige, gris, tout ça, les luminaires. Oh, mais en fait, tout est parfait. Je vais faire un petit tour. Oh, j'ai trop envie de tout acheter. Waouh! Les miroirs sont tellement beaux. Il y a de tout en fait. Tous les univers, salle de bain, la literie. Regardez ça. Oh, je vous conseille vraiment, vraiment de venir. Aussi les salons, mais à chaque étage on sent une ambiance différente. Et au rooftop il y a un restaurant. Pour aller shooter ma collection Naked. Donc j'ai rendez-vous là-bas avec les équipes Naked, on va se préparer, faire le make-up, la coiffure, tout ça, et je réalise mon plus grand rêve en fait, shooter ma collection à New York. Incroyable, donc je suis trop contente. Je vais vous montrer tous les behind the scenes de la collection qui sortira mi-décembre. Et vous allez voir tout, ça va être canon. En plus là il est 15h, le soleil se couche dans 1h30 à peu près, il se couche super tôt ici à New York. Donc ça va faire un beau coucher de soleil, cette hour. Ah, ça va être trop bien, trop de vous montrer. Alors on vient de terminer le make-up, on est en train de préparer la coiffure, on va faire quelque chose d'un peu ondulé, ça va être trop beau. Et ensuite on shoot, regardez cette vue. Les gars, je viens d'arriver sur le lieu du shooting Naked, regardez ça. En fait c'est un appartement que les marques peuvent louer pour les shootings, réceptions, pour les meetings, tout ça, mais je suis choquée. C'est tellement bon, on va avoir la meilleure lumière en plus pour le sunset. Oh, oh là 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 là. Je pourrais habiter là toute ma vie. On est au 64e étage. Oh what? Regardez ça.
de la collection. Un petit corset, vous voyez, donc ce sont des couleurs assez sombres, plutôt noires. Avec des jolies blouses, des robes, une jolie veste en simili-cuir, un top trop trop mignon, une robe, plein de looks. Trop cool! En avait besoin pour le nouvel an, c'est obligé. Et c'est top, trop trop mignon. Donc il y a qui me dit que c'est juste ici qui me dit. Il est tellement cute et je le porte avec mon jean et une haute. Trop trop beau. Trop beau. Donc on a terminé de shooter tous les looks, on a fait 9 looks. Ça s'est trop bien passé, les photos sont canon et j'espère trop que la collection va vous plaire parce que moi je l'adore. La robe en simili cuir, le petit top vert, oh là là, c'est trop trop canon. Donc n'hésitez pas à me dire quel est votre article favori de cette vidéo. Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère que ce vlog vous aura plu et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Gros bisous.